Bravo. Bravo. Bravo Johan. Bravo Johan, il a acheté ses bâtons de comme un grand sportif. Allez, bravo tout le monde. Bravo Johan. Salut. Ça va? Salut. Bravo. Bravo Johan. Tiens, le cadeau d'arrivée. Bravo, ça va, Carole. Bravo. Super. Oh, super. Hein? Ouais. Bravo. Merci, merci à tous. Tout le monde se filme. Super, Johan. Bravo à tous. Et ben, bravo. Voilà. On va voir un peu le paysage, regarde. Et même bravo Johan. Ouais. Arrivé, voilà. Bravo mec. Et même voilà. Les mecs super. C'est beau, hein? Voilà, il y a un comité d'accueil. Bon, 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 c'est sympa. Oh. Vas-y, Yann. Je vais vous demander à toutes et tous d'accueillir Johan. C'est sympa. Oh, c'est sympa. Oh. C'est sympa. Ils font l'office, ils font l'accueil carrément. C'est gentil. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir d'accueillir toute cette délégation qui a suivi Johan pendant tout son périple. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter tous ici avec donc toute une petite équipe et puis il y a aussi ses parents hein, qui l'ont accompagné. Bienvenue. Merci. Voilà. La petite sœur est également là, oui, tout à fait. Alors, tout de suite, je vais bien sûr vous diriger. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la délégation qui peut venir nous en dire plus ou bien Johan lui-même pour nous dire ses premières sensations sur cette arrivée ici à Thonon-les-Mélisses. Bonjour Johan. Alors, ça fait combien de temps cette marche? Ça fait combien de temps ce périple? 34 jours, c'est le dernier jour aujourd'hui. Voilà, c'est la fin. Alors ça tombe bien parce qu'on va sans doute pouvoir reprendre des forces maintenant, hein, avec quelques super travaux. Donc combien de kilomètres? Quelqu'un a fait le kilométrage? Moins 320, je crois. Il y
Donc c'est une performance, alors on aura sûrement l'occasion d'en parler ici, cette performance, cette initiative, ce challenge, ça vient d'où, pourquoi? Parce que en fait j'ai déjà fait quelques manifs pour le climat et ça m'a donné envie aussi de bien en empêcher, je voulais en fait arrêter le bug, c'est des actes que je voulais faire comme des... J'ai pensé depuis plusieurs années et j'ai voulu vraiment le potentiel de l'écologie de voir ça. Voilà. C'est allé essentiellement ça. Bien, parce que alors...